Mesdames, Messieurs, la famille, hier dimanche, c'était réel encore dans Grissier. Dans la commune Grissier, hier, la police nationale d'Haïti vidé 7 bandits à terre. On dit 7 bandits encore. Et nous, la police nationale d'Haïti, envie, fait travail là vraiment. Et j'en nous dis, c'est le gouvernement qui n'a pas décidé ou bien qui n'a pas encadré le matériel pour faire travail là. Mais nous, on a envie frapper. Il y a 7 bandits qui tombent hier là dans Grissier. Et même là, nous pas dit un gros bravo, nous dit bravo pour la police nationale d'Haïti qui frappe 103 zombies encore, qui frappe petit bébé Bougoy et pour pas dire Boutba, qui frappe Boutba parce que c'est une association, mesdames, messieurs. Alors, pendant qu'on a parlé de l'insécurité, on a tout dit que le commandant Guy Philippe, monsieur tourné avec le mouvement Révolution, nous hier là. Et Jantel te prend la ri gros manifestation côté police t'a tiré gaz sur nèg yo mais manifestation te fait Jean ou te annoncé là et mesdames messieurs m'a dit nous ça Guy Philippe gen gros voyage qui planifié pour Guy Philippe en Afrique côté que gen pile possibilité pour Guy Philippe à le rencontrer Ibrahim Traoré nous connaît qui c'était ancien officier et militaire dans Burkina Faso chef révolutionnaire qui était chaviré yon président côté qui n'est pas de cas diriger pays, il y a des fraudes, des corruptions. Eh bien, Ibrahim lui-même, soit Guy Philippe a fait Jodia, c'est lui Ibrahim qui fait pour Burkina Faso. Actuellement, Ibrahim lui-même, c'est président Burkina Faso, mesdames, messieurs, et il y a possibilité pour Guy Philippe, d'après information, nous monter en Afrique, Alchita parler avec monsieur. On est ça, une expérience déjà dans le domaine. Eh bien, Guy Philippe, pour Alchita parler avec monsieur. Et tout Guy Philippe tourne dans le pays d'Haïti, mesdames, messieurs, les messieurs Finfer, et voyage ça, a bien causé dans le pays, a révolution, li pral d'emblée. Pas oublier que Ibrahim Traoré, monsieur, était renversé, yon président qui était le Paul Henry, le 30 septembre 2022. Eh bien, monsieur, était prend pouvoir. Actuellement, c'est monsieur qui mettait Burkina Faso dans la position que Burkina Faso y a là, mesdames, messieurs. Alors, c'est ça où nous gagnons comme information aujourd'hui, et nous gagnons des extraits tout, que nous allons faire entendre, pour qu'on comment bagaille là, y'a bon côté voyage à Guy Philippe, et situation, et population, et spécialement dans la zone métropolitaine, qui a passé des jours qui pas facile, parce que chaque jour nous lever, c'est monde qui a mouru, innocent, qui a payé pour coupable, et puis chef gagnant, continuer, absime panique dans zone métropolitaine. Mais avant nous entrer dans le détail information, nous avons salué chaque abonné nous avec un gros bonjour, gros bonsoir. Et selon l'on a regardé et vidéo ça, et nous avons dit bienvenue sur Stand Up Lakay, bienvenue sur Zenet Haïti. Sou pourquoi entrer dans famille, en fait ça, entrer dans famille ça, ou pas regretter. Gardez que l'on a abonné, cliquez sur lui, abonné et l'on finit abonné, pas oublier tout. Cliquez sur la cloche de notification ou retirez les options personnalisées. Voyez sous tout pour recevoir toute information nou yo en notification et sous pour ba nou like tout garan ba vidéo ça bon petit pouce cliquez sur li ba nou like en nouvelle vidéo a li passer 1000 like. Mesdames messieurs jodi a la nous c'est gros et 12 août 2024 c'est gros lundi. Eh bien ces deux princes qui dominent actualité a sous insécurité en Haïti nous e gang yo. Et gen plusieurs qui tombé là et c'est pas celle en Grissier qui n'ego vu des 7 gangs à terre moi croyais que dans Jérémy gon dizaine de gangs qui tombé tout d'après information qui vinn joindre nous n'ego frappé police nationale la frappé on yon dizaine de gangs dans Jérémy mesdames monsieur et puis gagné 7 gangs hier là qui n'ego fusillé dans Grissier et cette fois-ci n'ego récupéré zam 7 gangs a yo pas venir avec un bilan pour dire que yo tué 104 bandits récupéré 19 zam non et bien n'ego vidé 7 bandits à terre yo récupéré plus que 7 zam sous n'ego alors n'ego commence à bon bilan et plus ou moins c'est ça m'a capable dire son bilan plus ou moins mesdames messieurs. Alors pour ne pas perdre plus temps avec nous aujourd'hui on a le temps d'être extrait ça non petit temps comme ça n'a pas tourné encore commandant Guy Philippe fait peur au peuple haïtien Gary Conny avec tout CPT Koulev 7 tête Genève en famille et alliés qui occupait palais national avec Primatulan paniqué déjà gagne pile problème et avec dernière déclaration que commandant Guy Philippe fait côté qu'elle mandé moun dans département l'ouest spécialement pour que yo prend responsabilité yo la jeunesse haïtienne dans département l'ouest
prend engagement nous. Parce que bataille là, faut que nous fassions et ces dernières phases combat pour que nous libérer Haïti nous. Et bien, déclaration, ça fait peur. Nous rappelons que, dans le mois de février, que Ariel Henry était gonflé col à l'étranger. Après le film, manger avec Zamil, Ariel, comment le patron lui était gonflé pour être l'île du consacre que la promette pouvoir en 2026. Et bien, peuple haïtien te prend engagement. Et bien, c'est là que tu as saisi. Même nèg ki yo te armé dans pays pour te kidnapper, pour te tuer, pour te violer, détruire peuple haïtien, c'est gade ou nèg sa yo te vire Joel Zamno sou yo. Et c'est nèg sa yo qui te fait Ariel Henry camper à distance et patron Ariel te touke Ariel côté yo kembel lan. Et ben nèg ki yo pouvoir sa yo là. Donc Gary Koni, li peur pour que nèg armé yo pas tout profiter. Le peuple sa pral prend la rue pour demander deb pour déchouquer criminel sa yo au pouvoir. Gary Koni avec tout ces pété coulèv cette tête, Genève en famille alliée, yo peur pour que nèg armé yo, pas tout mené yon mouvement en parallèle, qui a débouché son révolution sanglante pour libérer son pays ça. Parce que gang à sa patio, yo tellement gué l'argent dans yo, yo invite à son exemple pour regarder comment yo t'a va joindre. Yon ti considération dans mes peuples ça, que yo kidnappé, que yo tué, que yo violé. Nous même, nous dit, pour libération pays ça, pour libération peuple ça, quelle que soit façon de calibrer, n'a pas libéré. Parce que ça que nous avons décidé pour faire nous vivre là, messieurs, dames, c'est pas sérieux ça. Et je toujours dis, bataille pays pas contre facile. Bataille pays pas contre facile. Engageons nos combats pour libération yon pays tant qu'Haïti, c'est dit que ou décide pour mourir pour Haïti. Engageons nos combats pour libération pays d'Haïti, c'est dit que ou prêt pour prendre prison pour Haïti. Engager nos combats pour libération pays d'Haïti, c'est dit que ou pas peur. Ou pas peur rien dans la vie ou pour pays ça. Et me toujours dit, nous même comme haïtiens, si nous connaissons l'histoire nous, pas gen rien sous la tête capable faire nous peur le pays nous en difficulté. Et de fait, la peur commence à changer de camp. Guy Philippe annonçait la couleur. Même Jean que jeune président de la transition dans pays Burkina Faso, qui c'est jeune capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État dans le pays Burkina Faso. Même je le toujours dis, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et même monsieur dit, et il réitère pour le dire encore, monsieur dit comme ça que ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un mot qu'on doit répéter, n'importe qui, gens, mais son engagement. Et bien nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous dit liberté ou la mort, faut que le pays soit libéré. Liberté ou la mort. Ce soit nous vivre libre tant que monde, tant que peuple dominicain, ou bien nous pas exister du tout comme monde. Question quitte, yon groupe haïtien, fait dans le pays, décide c'est yon-même, qui a fait complot pour prendre pouvoir, pour continuer dirigeant battable, pour voler, pour piller, pendant que madame yon, petit yon à l'étranger, nous dit que nous-mêmes, Abraham dit c'est assez, quel que soit le prix à payer, nous prêts pour mourir pour payer sa libérer. Et m'a dit ça très bien, comment Guy Philippe lance libération, révolution, pour libération pays d'Haïti 2024, nous-mêmes nous dit, révolution, mot pacifique, là, li retenant bouche leader, là, qui se commande Guy Philippe parce que li pas obligé physique blanc. Mais nous, comme peuple souverain, nous connaissons comme un bral fel parce que monsieur extrêmement violent et c'est des criminels nos droits, nous pas camper, nous pas céder, nous pas bailler aux vagues. Bataille a lancé. Bataille a lancé et c'est deuxième phase combat. Pas de tête langue, pas de sentiment, pas de acheter figui. Après 38 l'année, assassinat. 38 l'année, crime. 38 l'année viol, 38 l'année vol, 38 l'année pillage, gargote dans l'État, 38 l'année que nèg a fait complot pour privatiser toute institution étatique nous yo, nous révolter parce que nous est clair. Après crime qui fait sous chef d'État nous, oh monsieur, Jovenel Moïse, 6-7 juillet 2021, en vérité mon Dieu, pour en couper, pour dialogue la couper, pour considération couper, pour tolérance la couper, pour sentiment couper. Soit ça, c'est révolution pour libération pays sacré. Nous pas dans tête langue. Nous pas acheter figui. Qu'un bon pays nos conditions pareilles. Moun, nous pas dans volon mettre là. Nèg ou fait nous mon quitter pays monsieur. J'espère nous pas qu'on casser caï nous kidnapper moun. Nèg ou fait quitter pays hein. Nèg ou exiler haïtien, nèg ou déporter haïtien dans propre pays yo. Est-ce que nous capable continuer comme ça? Premier problème Haïti, c'est la classe politique traditionnelle gang haïtien. Il faut que nous prêtions au dix doigts et libérer pays par rapport avec eux-mêmes. C'est que fait ça yo. Regardez-nous, éradication totale capitale de la classe politique d'assassins. Pas perdre du temps avec eux. Parce que monsieur, vous avez une volonté réelle pour qu'ils aient en permanence dans ce que vous mettez là. Imaginons après 38 ans,
tout politicien riche, oui. Tout politicien riche dans l'État. Tout oligarque multimillionnaire, économie pays en améyo. Mais vous pas décidé de céder, non. On lit au bon vague. Vous plutôt tuer président Jovenel, oui. Est-ce qu'on est extérieur? Attendez, est-ce qu'on est extérieur, Jean-Bon vague? Moi, je me dis non. Nous pas qu'en tolérance, nous pas qu'en accepter tout bagaille. Route que nous arrivons là, pas de tolérance. Ou pas qu'accepter n'importe bagaille. Ça cause, moi, je dis chalalou. Chalalou, faut que c'est nous qui pour assumer responsabilité. Malheureusement, nous passons en bas, nous pas en chanteur. Mais si nous avons une voix, normal. Nous t'avons chanté pour nous dire, Jésus, oh, mes chayla, papa, oh, mes chayla, le ciel, oh, mes chayla, chayla, lou, sa kapé den potel, nous pas gen maman qui pou den potel, nous pas gen papa qui pou den potel, nous pas gen zami qui pou den potel, nous pas gen allié qui pou den potel, Jésus, oh, mes chayla, le ciel, oh, mes chayla, le ciel, oh, mes chayla, di chayla lou sa kapé den potel, yo tue président nous, en bas yon la, yo tue maître Doval, en bas yon la, yo tue bâtonnier nous, en bas yon la, yo tue Eric Jean-Baptiste, en bas yon la, yo kidnappé diaspora nous, en bas yon la, yo détruit pays, en bas yon la, yo bati jeune yo zam en bas yon la. Jésus oh ça capé den potil. Ba chante non mais désolé. Écoutez bien. N'a vive yon situation qui extrêmement compliquée comme peuple. Est-ce que n'est capable river plus loin? Ça n'a vive là, c'est responsabilité chaque gagne dans nous. Nous même comme haïtiens, ou même comme jeune garçon surtout qui n'en 20 ans, qui n'en 30 ans même j'avais. Mais écoutez bien. Assumez responsabilité monsieur. Nous pas qu'on voler mettre là. Nous avons couru toute la journée pour voler. Nous avons un kidnapping, monsieur. Ce n'est pas possible. Nous avons contrôlé les DCPJ. Nous avons contrôlé la justice. Nous avons contrôlé tout ça qui est dans le pays net. Puis nous mettez comme si nous avons en face nous comme peuple. Nous prenons propre l'État ou faire goumer avant comme peuple. L'État paye ou ap détruit ou. Nous avons pris le pays en otage. Nous prenons toute institution étatique. Nous avons concentré. Nous avons mis au service en détruisant de nous-mêmes. Est-ce que nous pas mérité faire une révolution? Moi dis oui, nous mérité faire une révolution pour libération pays ça. Quel que soit les prix à payer, n'a fait bataille là. Et je dis encore une fois m'a dit. Dans toute bataille, dans toute révolution, dans tout gros groupe pour libération pays, toujours gagner un leader. Un leader qui gagne des hommes et des femmes conséquents, qui compétents, qui gagne capacité, qui ont capacité de réflexion enragée. Qui a produit des réflexions à la seconde. Et bien, Mabdou, ça très bien. Grand leader que nous gagnons avec une équipe solidaire, l'irlé Guy Philippe. Et vous devez assumer responsabilité. Mettez tête bien sous épaule. Pas quitter personne moun à venir attaquer. Chaque côté passé, vous devez parler de grand leader que vous gagnez. Et chaque bataille qui fait, qui réussit, c'est un leader que toute nation campe derrière. Mabdou, nous campe derrière Guy Philippe. Assumer responsabilité derrière Guy Philippe. Parce que ça qu'on est là, pas que l'autre monde qui a retiré la donne, c'est seule équipe ça qui a retiré la donne. Déjà, nous ancien sénateur Jacques Sauvé-Jean dit que lien pour parler avec leader nous qui c'est Guy Philippe et l'assumer responsabilité. Jacques Sauvé-Jean nous connaît que son patriote ou qu'a peut-être des fois des petits problèmes. Mais écoutez, c'est lui-même c'est moun. Lui-même tout le cas qui bon ensemble avec vous. Mais quelque part, lui est un haïtien et ou elle est Haïti. Guy Philippe commence à parler avec plusieurs autres personnes dans la société. Guy Philippe ouvert des bras pour parler avec tout le monde. Et me dit, pour qu'elle prenne le téléphone, ni, pour le contacter Pasteur Moïse pour nous. Contacter Madame Oudine Pierre. Contacter Professeur Soukar. Contacter Commissaire Muscadet. Contacter tout à l'heure, c'est conséquent, Edo Zeni, pour nous parler, pour nous concerter entre nous, pour nous garder comment nous avons fait un faux commun pour Haïti. Contacter Wyclef Jean. Entendez-nous, contacter des Haïtiens dans la diaspora. Prenez responsabilité de nous, chaque leader. Par exemple, leader que nous avons dans la communauté haïtienne, non, dans Floride, par exemple, Miami, ou bien Floride en général, tout state aux États-Unis, ok? Canada en général, la République dominicaine, nous cherchons des haïtiens conséquents qui pour prendre revendication masse peuple en Dominicaine et immigration a détruit pour nous faire passer. Parce que bataille, ça nous est là, c'est bataille pour nous rapatrier souveraineté nous comme peuple. Son bataille pour que nous menions Haïti sous rail changement et pour nous laver escamp figue pays. Parce que Haïti que nous gagnons, faut que nous tournons avec elle. Parce que je toujours dis,
Pas gen yon pays sous la terre qui sorti dans situation difficile que c'est étranger qui nous retire. Non. C'est toujours petit li qui brave danger yo, qui pa peur mourir, qui pa peur touye criminel tout pour libération pays yo. Et ben dans sens ça me vient dire non. Pas gen étranger qui vient de ranger pays yo. Oui, étranger qui vient assister ou qui ranger pays yo. C'est normal parce qu'on vive dans un monde ou pas vivre en vase clos. Ou à vivre dans autant côté que tout le monde gen yeux sur ou et ou gen voisin. De fait, on fait pour que ou comporter. Mais la caillou, le la caillou sale, ou propre la caillou, moun pa ka vin di ou pa propre la caillou. Et ta la caillou est là. Étranger pa ka di nou pa propre la caillou. Mais la caillou sale, ça fait le sale. Ces politiciens volés, kidnappeurs, assassins, gang terroristes, gang criminels, qui fait la caillou sale. Eh bien, moi, je dis que nous devons assumer responsabilité pour nous propre en dedans la caillou. La caille, c'est la caille. Pas de temps la caille. Et c'est seul petit la caille qui a propté la caille. Dans ce sens, ça me dit que Guy Philippe lance dans une bataille. Monsieur, dame, route que Guy Philippe fait, là, avec deuxième phase, bataille, pas de possibilité pour que vous-même, comme peuple souverain, pour pas libérer. Pas de route pas bois. Pas de passer par quatre chemins. Tout le monde est clair. Moi, prends temps, moi, prends ça. Pour m'tende, alors m'deja dit nous, Guy Philippe a quitté le pays pour tout bon. Guy Philippe a pris ni dans le continent africain. Et Guy Philippe, j'en dis là, il a déjà gen invitation officielle. L'amène pour la rencontrer à un chef d'État plus puissant en Afrique. Yon a moun qui a fait parler de lui et que le monde l'a commencé à respecter. Yon a moun qui prend responsabilité, qui prend engagement. Eh bien, peuple haïtien, bataille pour l'autre dimension. Et m'a tout ça très bien. Ou même comme jeune garçon qui vive cap haïtien. Ou bien pour devoir assumer responsabilité ou, prends la ouyan. Prends la ouyan parce que face bataille ça, c'est pas moun qui va le faire pour ou, mais c'est ou même qui va le faire pour tête ou. Face combat ça, pas qui pas vin qui ton leader qui vient dire oui, jouer ceci, jouer cela, craser bouler, là où ça vient de nous. Non, pas tant de paroles ça yo. Ou a prend béton ou. Dans l'idée pour éradiquer classe politique criminelle d'assassins, femmes et d'hommes ça. OK? Bande théoriste ça ou bande gang de salon, bande esclave de salon ça yo. C'est yo qui véritable cancer là. Premier engagement, c'est gon fixation, l'humain projecteur nous sous classe politique criminelle d'assassins vicieux, volé ça qui couronne quoi on n'importe presse là. Dernier coup qui pour tuer coucou et que c'est intelligence que alors moi tout d'abord encore une fois, ma félicité, leader charismatique là, chef révolution, qui se commandant Guy Philippe. Ma félicité, monsieur, pour intelligence li. Parce que après yon temps silence et yon temps d'observation que commandant Guy Philippe a fait, sous équipe criminelle, ça a quitté volé pouvoir peuple en bata blanc, de complicité avec colon blanc qui toujours a détruit nous yo. Guy Philippe dit qu'il va lancer deuxième phase bataille. Mais cap vraiment structuré et laisse ça tout pays après prendre l'appel. Et de fait, révolution a touché secteur communal qui plus loin en dedans pays a. Et on attendait même dans bouche Timoun, c'est Guy Philippe qui a répété. Bravo leader. Guy Philippe croit que la République de Port-au-Prince son capital que politiciens traditionnels kidnappeurs prend en otage. Pour te sécuriser tête yo, yo te ba zam tout partout dans Port-au-Prince là, pour te faire gang yo ceinture Port-au-Prince là. De fait, je dis, gang yo quelque part fâché avec met yo. Guy Philippe Port-au-Prince là enclavé. Le pi gros bataille qui pou fait là, c'est dans Port-au-Prince. De fait, les gon fixation sur Port-au-Prince. Elle fait appel avec tout moun Port-au-Prince pour yo assumer responsabilité yo. Dans cadre d'un dernier combat pour libérer pays. Combat ça, n'est pas facile. Mais c'est nous qui devons faire. Pas de personne qui vient faire pour nous. Je tiens à un gros coquin de mobilisation qui a annoncé dans le prince, monsieur qui est déjà démarré. Vraie mobilisation, nous, son soulèvement général de manière sauvage qui va le marché prend. La classe politique traditionnelle d'hommes et femmes gang ça qui prend Port-au-Prince là, qui prend pays en otage là. Et mais Guy Philippe pourrait que c'est Port-au-Prince
qui prend tout pays d'Haïti en otage. Et bien dans sens ça, Guy Philippe mande peuple Port-au-Prince là assumer responsabilité nous. Guy Philippe mande peuple voyant dans l'ouest là pour que yo levé campé. Et bien moun dans l'ouest yo assumer responsabilité yo. Nan niveau moi mobilisé là, nous pas prend temps pour carotte la cuite. Nous t'a misé dans route. Mais nous sur route pour nous porter bonne nouvelle. Message Guy Philippe là, peuple a recevoir. Et peuple a décidé pour lancer yo dans deuxième phase révolution pour libération pays ça. Et je ne te dis révolution pas qu'on fait dans tête langue. Pacifique là n'a quitté pour l'idée et nous même la planse révolution maman Pemba Ronald Chéri. Révolution tout partout. Yo mêlé. Révolution pas manifestation. Révolution pas fête nan criyen dan. Révolution c'est marcher prend garçon. On prend exemple cérémonie bois caïman. Révolution pas fête seul pas gen san. Révolution c'est sa manchette bâton. Révolution vle di marcher prend yo. Système pesé sous c'est sa fond démasqué yo. Peuple a déjà bon. Philippe, la médaille ici en allée devant ce pays à ses nouliers. La patrie en danger, n'a qu'un peuple à poule campé. Peuple ici en allée, Haïti c'est pour nous lier. Continuez mobiliser jusqu'à ce que nous déchouquions. Qui Philippe défend, peuple à des yeux. Nous faire 2004, allez voir 2024. Qui Philippe défend, peuple à des yeux. Nous pas marcher prend. Révolution liée, révolution pour Haïti libéré. C'est révolution du pays à monter. Révolution pour Haïti libéré. Révolution pour nous jouer sécurité. Pour diaspora yon ka rentre. Yo, vite tout de la caille. Ça nous dit. Nous voulons révolution. Bah nous révolution. Nous pour révolution. Bah nous révolution. Nous voulons révolution. Bonne révolution pour ça changer. Voilà, Ronald Chéri, révolution pour libération pays d'Haïti 2024. Peuple haïtien, jeudi, c'est dimanche 11 août 2024. Moi, content pour que moi, ensemble avec nous, sous plateforme Maman Pemba, plateforme Pays Potéan, plateforme Guy Pape Chalan, plateforme Kabdil Janyéan, qui c'est plateforme YouTube Info Betoa. Dans l'idée, pour nous continuer avec bataille ça, nous quoi que nous obligés de rentrer, descendre, alors retourner dans la racine nous. Pour nous chercher moun qui semble, moun qui zamine, moun qui remène, que yote fen konne qui te raïne. Commandant Guy Philippe qui pour mettre tête dans le continent africain, dans tant que pour venir, quel que soit le prix à payer, et toujours dit, pas de sacrifice qui est trop grand pour Haïti. Pas de pays qui est nous, pas de peuple qui est nous. Mais nous-mêmes, quelque part, nous avons le droit pour que nous assumions la responsabilité pour payer nous, pour payer nous, pour peuple nous, fonctionner tant que tout peuple, tant que tout pays sur la terre. La Dominicanie qui est la veine a fait grand pas, nous pareil, nous devons remettre pour effort, nous devons apprécier, pas de bravo pour yo, pour effort. Mais dans le pays nous, pour qui ça nous est à ça? Ça qui fait nous est à ça? Si nous est à ça, c'est parce que nous n'avons pas de monde qui prétendent payer ça. Mais il faut que nous assumions la responsabilité nous. Pour nous, il y a des gens qui mettent pied ou à terre qui mettent nos combats pour mener Haïti à bon port.
Guy Philippe décide de faire bataille ça. Eh bien, nous cherchons tout côté, gon zami, qui voyait une intervention des jeunes garçons ça, qui actuellement là, qui a peine bralgué 36 l'année. C'est un capitaine dans l'armée, Burkina Faso. Non, c'est Ibrahim Traoré. C'est jeune président de la transition, Burkina Faso. C'est un coup d'état militaire qui t'est fait contre un gouvernement élu. Un militaire prend pouvoir. Le militaire en prend pouvoir. Eh bien, capitaine Ibrahim Traoré, regardez le monsieur. Il était dans le camp, monsieur, oui. Il regardait le monsieur. Puis il reste avec Pichoul. Que Tchoul, que monsieur était combattu au pouvoir. Capitaine Ibrahim Traoré dit que ce n'est pas pour ça que nous te bataillons. Nous te bataillons pour nous prendre pouvoir. Pour nous mettre l'État au service peuple. Pour que peuple ça capable de sentir que tu as des gens dans le pays qui prêt pour bataille pour lui. Ibrahim Traoré, tes jeunes supports, tout reste troupe là. Ils te fait un coup d'État. Sous Poutchis qui te fait coup d'État, il prend pouvoir. Depuis le ça, depuis 2022, monsieur décidé pour le fond bataille. Yon révolution. Révolution ça, monsieur décidé dit clairement, si nous avons des pays qui se amis nous, qui n'ont pays nous, qui exploité nous plus passé 50 l'année, qui dit que y a pédé nous, terroriste a fini avec nous, y a kidnappé, y a violé nous, y a détruit nous, monsieur dit, on fout une expérience pour yon parler, sans yon. Monsieur m'a dit yon pour retirer quoi yon. Monsieur retire la force de pays. Monsieur retire la force de pays. Retire Burkina Faso en bas domination la France. Mais pas oublier. Bataille ça a commencé dans Guinée-Conakry avec colonel Mamadi Doumbouya. Bien que Mamadi Doumbouya vient perdre les lignes pour le moment parce que vous sentez que vous êtes le monsieur lion noir. Le dragon noir. Mamadi Doumbouya quelque part gon femme blanche dans menni monsieur baï la moule réglé bagaille flâneur courti bicyclette et dans Guinée Conakry yo monsieur laisser bataille ça mais son pouvoir mis ça perdu tôt ou tard il pas ka perdu la travers coup d'état parce que militaire monsieur solide mais pas vraiment gagner yon révolution k'ap fait nan pays et Guinée Conakry Mamadi Doumbouya laisser tomber mais ouais que Burkina Faso bataille la fête. Monsieur prend pouvoir au Mali avec jeune colonel Assimi Goïta. Même combat, jeune garçon tout. Oh, Niger qui gagne un général dans la mer qui serait le général Tchani. Monsieur dit que il va camper. Oh, général Tchani, fessé. Il reste avec vous, quitte au pouvoir à terre. Il prend pouvoir. Tout relé par l'empile, Nations Unies par Monsieur prend pouvoir. Quand il y a Niger, il y a stabilité. Pays yon des réformes qui a fait, révolution tête chargée en dedans, toute administration publique là. Eh bien, gon faisceau qui fait entre trois pays qui n'ont continent africain. Burkina Faso, Niger, Mali. Sénégal saute fel. Yon prend pouvoir à travers les élections. Yon retire nan yon tchoul qui te rele Macky Sall. Volé, vicieux reste avec. Même j'avais volé dans le pays d'Haïti. Eh bien, yon voye yon petit vidéo moi. Côté que. Jeune capitaine Ibrahim Traoré a parlé avec peuple. Alors, salut chaque gun dans nous, capitaine m'a gardé là, je dis. Tout d'abord, m'a demandé nous, chaque gun qui là, nous chaque qui là, écris un espace commentaire là pour nous. Vive président Guy Philippe. Écris un commentaire là. Pas jette dans ça. Et pas le pouvoir, c'est prendre pour pouvoir. Liberté ou pas ça, c'est pour prendre liberté ou. M'a demandé chaque gun dans nous, écris vive président Guy Philippe, et puis justice pour président Jovenel Moïse, et puis libération sans condition pour arabe là pour nous. Et trois bagailles pour écrire dans les commentaires là. Chaque grand monde qui trois bagailles pour écrire. Avant de commencer. Chaque grand monde qui a tendu cap cadeau là, on écrit ça pour nous. Vive président Guy Philippe. Ça c'est un. Deux. Justice pour président Jovenel Moïse. Trois. Libération pour Arabes blancs sans condition. Chaque grand monde, on écrit ça dans l'espace commentaire là pour nous, s'il vous plaît. On nous fait là avec un pile sagesse et puis partager l'émission pour nous faciliter l'autre haïtien capable de tendre. Et M. Sassamaven. Nous prenons le temps de yon intervention. M'saisi. Le capitaine Ibrahim Traoré qui n'a pas gardé sur l'écran fait intervention ça. Entendez, monsieur. Saldia. Et pour mémoire, prenez responsabilité. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara
a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Oui! Paola, Paola, pour moi. Le président haïtien a essayé de changer quelque chose comme ça. Il a assassiné lui! Paola Louis, attendez bien. Monsieur arrive loin, parce que monsieur à Burkina Faso, et c'est loin nous. Nous prenons exemple. Nous prenons tendez avec un pile intérêt. Jeune capitaine Ibrahim Traoré. Président de la transition et chef de l'État et commandant chef l'armée Burkinabé. Monsieur Balbali. Et lui, vous regardez sur l'écran. Monsieur Baron, on t'y flash sous assassinat Jovenel Moïse. Bataille en affel. On avance. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. Ils prennent chaque fois des exemples. Allez. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Si vous trahissez, vous aurez des fins. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Chef de Moïse. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. Mm-hmm. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. Okay. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard. Vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Attendez, oui, Béia. Attendez. Monsieur, son jeune garçon. Et ça que m'a dit, ou même qui c'est jeune, même j'avais, ou bien pour devoir assumer responsabilité, ou pareil personne, pareil pays, mais bataille pour pays ou d'accord avec moi. Pareil personne, pareil dominicain. En nous raï, comportement dominicain comme si envers nous-mêmes. Mais ça que fait, pour nous pour nous raï, c'est dirigeant la caille nous qui fait qu'on ne peut pas vivre la caille nous, qui cause notre humiliation, la caille voisin. Parce que si la caille nous est bon, je garantis vous. Vous avez toute femme dominicaine, vous avez défilé la ville indienne dans le pays d'Haïti pour venir essayer de faire bagaille pour l'argent. Problème c'est pour l'argent. Nous connaissons en bas. Sous ta balle, on charge club dominicain. Cap prend plaisir pour l'argent. Vendre quoi pour l'argent. C'est job dominicain. Nous-mêmes haïtiens, nous sommes des rues travailleurs. Nous allons à l'école, quelque part, nous cherchons travail, et puis nous créons des bagailles pour nous travailler, pour nous faire l'argent. Haïtiens pas une pratique bousin. Non, haïtiens n'ont pas une pratique bousin. C'est dominicain qui pratique bousin. C'est comme ça que lié, un beau créole. Ça veut dire que, il y a ceux qui n'ont pas l'extérieur pays, hein? c'est pas jouer américain, non, qui solution, non. C'est pas jouer français qui solution. C'est pas jouer canadien qui solution. C'est pas jouer dominicain qui solution, hein? Mais c'est viser qu'on se reste avec esclaves de salon qui décide de prendre pays en otage pour foutre détruire pays, hein? Au profit de l'impérialisme. Mais c'est conseil dans le pays d'Haïti que nous voulons la classe politique traditionnelle d'hommes criminels, femmes, ça, yo, qui prend pays ça en Haïti, qui prend pays ça en otage, là, pour nous foutre des gars dans le pays. Capitaine Ibrahim Traoré, n'a pas monsieur parler. N'a pas tendé. Parce que monsieur communique avec peuple en pile, et ça que m'a demandé le commandant Guy Philippe, faut qu'il communique avec peuple en pile. Même si c'est de la gradance, réunis peuple en sous place publique, dans gros espace, côté terrain football, parle avec peuple. Mettez speaker, parle avec peuple. Et puis, le monde entier attendait à regarder. Guy Philippe doit communiquer avec peuple de temps en temps. Guy Philippe doit aller sur toute plateforme média en ligne pour communiquer avec peuple de temps en temps. Parce que révolution, dans le temps que nous vivons, c'est communication d'abord. C'est comme ça que lié. Entendez, jeune capitaine Ibrahim Traoré, qui a parlé de l'impérialisme. Avec un peu d'intérêt. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort.
Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard, vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Kadhafi a essayé comme ça, il est où? Il est mort. Voilà des propos qu'on nous tient de manière voilée pour nous faire peur. Et puis, nous voyons aussi souvent certains jeunes essayer d'emboîter le pas d'une autre manière. On peut les entendre dire « telle personne a régné ainsi, il est à la CPI, telle personne a régné ainsi, il est en prison ». Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase. C'est pas une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase. Très bien. Quand nous disons la patrie ou la mort, ce n'est pas une phrase. Mais son responsabilité, son engagement. On nous reprend parole ça. Parole la loue. Parole la important. Ainsi, il est à la CPI. Telle personne n'a rien ainsi, il est en prison. Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas qu'une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre lutte. Ils ont fait peur sûrement à beaucoup de chefs d'État africains. Vous voyez, souvent quand on s'exprime ou lorsqu'on a l'occasion d'être dans certaines situations à l'extérieur, nous tenons souvent des propos pour interpeller les chefs d'État africains pour qu'on se réveille, prendre soin de notre jeunesse pour pouvoir amorcer notre développement réel. Nous sommes souvent mal compris. Certains ont riposté publiquement à nos propos parce qu'ils se sentent indexés. Mais je peux vous assurer, jeunesse, que lorsque nous nous retrouvons dans les couloirs, ces mêmes chefs d'État nous disent « Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse s'en sortir. » Ah, mais oui. Alors, nous leur posons des questions à savoir « Pourquoi vous ne faites pas comme nous? Pourquoi vous ne nous accompagnez pas ?» Certains nous disent qu'ils ont les mains liées, certains nous disent qu'ils ne peuvent pas. Chers aînés, chefs d'État africains, du haut de cette tribune, donc, je souhaiterais dire que les peuples africains sont les peuples les plus pacifiques. Lorsque vous reconnaissez un tort, il faut le dire au peuple. Que nous n'ayons pas peur demain de sortir et dire au peuple, nous nous excusons, nous avons été compromis, nous avons des biens mal acquis, on nous a compromis par plusieurs choses et que nous demandons pardon et nous revenons sur la bonne voie. Et de commencer à travailler réellement pour l'indépendance de nos États et notre émancipation. Et je pense que c'est possible. Si nous restons dans cette posture de peur, nous serons lâches. Et l'histoire nous jugera. Nos enfants poseront des questions, nos petits-enfants poseront des questions. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je veux parler des Camerounais. L'union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, d'hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période.
Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le bac à ciment. Des centaines de milliers de populations ont été décimées ainsi en Afrique parce qu'ils ont osé demander aux colons de quitter leur terre. Mm-hmm. Ça aboutit à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont osé, ont affronté à main nue les impérialistes pour que nous, nous soyons là. Il n'y a pas de raison que nous, nous ne puissions pas affronter les impérialistes pour que nos générations à venir puissent vivre. Il y a beaucoup d'exemples à travers l'Afrique. Et ça qui est important pour que nous connaissions, monsieur décide de mener un combat dans toute dimension. Il subit plusieurs tentatives d'assassinat. Mais il y a une équipe solide, il y a une armée solide et peuple très véatif et très vigilant. Burkina Faso sous contrôle. Monsieur a traqué terroristes et monsieur a support la Chine, monsieur a support la Russie. Actuellement, là, côté ma parle à volant. Ça va gagner longtemps, là. Ça peut être capable de gagner en 2 ou 3 semaines. Et monsieur se trouve recevoir l'aide de créance ambassadeur des États-Unis d'Amérique dans Burkina Faso. Et monsieur fait tout fond l'eau, près de 12 ambassades. Le jour même, monsieur font cérémonie officielle pour le recevoir tout. Et pas recevoir grain par grain comme si m'dadou. Un seul coup. Nous planifions une seule date, nous recevons nos toutes têtes. Et c'est chef de l'État africain. Jeune capitaine Ibrahim Traoré et son réincarnation de Thomas Sankara. Et monsieur son garçon canson. En entendant monsieur avec un pile intérêt comme haïtien. Monsieur son frère africain. On avance. Et pendant que nous avons continué, écrit un espace commentaire là. Bravo, commandant Ibrahim Traoré. Bravo, président. Bravo, capitaine Ibrahim Traoré. Et puis nous avons demandé. Pour écrire vive président Guy Philippe pour nous dans l'espace commentaire là. Vive Guy Philippe, justice pour président Jovenel Moïse, libération pour Arabe pour nous. Commentaire ça yo apprêté. Faut que nous écrions avec un peu d'intérêt. Attendez ça. Qui ont refusé d'être lâches, qui ont combattu, qui ont fait face. Eh bien, soyons dignes de ces gens. Nous sommes leurs descendants et soyons dignes d'eux. Un lâche ne peut pas être digne. Du tout. Ne soyons pas lâches, jeunesse africaine. Oui, ou pas de la peur. Parce qu'un lâche est toujours un traître. Mais bah on ça l'a. Va de pair. Yon lâche, souvent lâche toujours traître. De boule lâche, ou ap traître tout. Ou pas de lâche. Famille amis, plateforme YouTube, et est-ce que nous c'est lâche? On nous écrit non, nous pas lâche. Et nous pas jamais lâche. Parce que nous sommes petites Dessalines. Nous pas traite, nous pas jamais traite. Parce que nous sommes petits Jean-Jacques Dessalines, capitaine Ibrahim Traoré, yon frère africain. Ils nous feront, ils essayeront de nous, faire peur pour que nous soyons lâches. Et si nous sommes lâches, nous allons trahir. Il faut bannir la traîtrise de nos habitudes. Des Africains ont été traîtres pour que la traite négrière réussisse en Afrique. C'est parce que des Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire, nous le verrons. Lumumba, Patrice Lumumba a été trahi parce qu'il a osé tenir tête. Et ces mêmes télévisions belges sont venues au Congo pour quelques billets tendus à des individus au Congo pour une interview pour contenter leur population. Et vous avez pu suivre ça. Le Mumba nous dérangeait. Il est mort, on est content. C'est de la traîtrise. Beaucoup d'autres héros sont tombés pour que nous, nous soyons là aujourd'hui. Justement. Et c'est une technique de l'impérialisme, de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Byakabonda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il est un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal, je crois. Il est venu médecin en Guinée et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire.
pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Diakabouda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boifflé. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue, les faits sont là. Les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé et ils l'ont dit, si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard, il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Attendez, oui, c'est une parmi nous-mêmes qui ont toujours utilisé, alors qui érigeait un véritable tchoul, un véritable reste avec, mais qui pouvait détruire nous. Next, nous gagnons. Par exemple, Logan de Michel, ou doit éliminer. Ou Gounel Kassi, ou doit éliminer. Parce que c'est majorité, nous devons prendre des décisions.